Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va regarder la danse practice du titre Yumi Yumi Love de Momoland avec Nati Natacha. Et on va regarder la danse performance, donc celle du MV, enfin la version MV, puisque du coup, selon la vignette, Nati Natacha, donc le featuring, a l'air d'être présente. Il y a aujourd'hui le 17 janvier est sortie la danse practice dans les salles de danse, mais il y a que les 6 filles, il n'y a pas l'air d'avoir le featuring, enfin du moins si on se base sur la vignette. Donc on va regarder celle du MV en voyant si du coup cette fille qui fait office de featuring danse également, ou si elle fait juste un petit rap, parce que je crois qu'elle était en train de rapper dans la chanson. Donc on va lancer. Non, finalement, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, là, il y a bien plusieurs danses pratiques qui sont sorties, mais il n'y a pas une danse MV, c'était juste le MV finalement. Merci. Je fais une petite erreur. Bon, c'est pas très grave. Du coup, bah, finalement, on va se concentrer sur un truc en salle de danse. Puisque j'avais mal lu le titre de la vidéo, tant pis. Du coup on va regarder la vidéo qui est sortie aujourd'hui en salle de danse. Donc ça veut dire que la fille du featuring était vraiment là juste pour rapper plus que pour faire autre chose. La danse du refrain est plutôt sympa pour l'instant. J'aime bien ce petit move là. C'est déjà un peu plus dynamique que le premier refrain, ils avaient l'air un peu fatigués au premier refrain.
Ok, c'est fini. Du coup, c'était une danse qui était plutôt sympathique. J'ai bien aimé certains trucs de la danse. Voilà, notamment quand elles font le signe comme ça et puis qu'elles tournent d'un côté et puis ensuite de l'autre. J'aime bien ce move-là parce que c'est un move que, à ma connaissance, je l'ai jamais vu ailleurs. Et puis je le trouve vraiment sympathique comme mouvement. Après, la danse en elle-même est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que de toutes les danses que Momoland a fait, c'est sûr que je vais plus facilement me souvenir, je vais encore en parler comme je l'ai fait dans le MV, pour la vidéo du MV, mais c'est vrai que la danse de Boom Boom, ouais, je crois que c'est Boom Boom, ou même celle de Barm, était... était à ma façon de penser plus marquante et plus facile à marquer l'esprit. Ce que je veux dire, qu'elle est plus facile à retenir, parce que celle-là, elle est pas difficile non plus. Je veux dire que quelqu'un qui a envie d'apprendre à danser et qui adore Momoland, honnêtement, cette danse-là, elle est vachement cool et je pense qu'elle peut s'apprendre assez facilement quand on sait danser. Voilà, donc c'est plus que les autres sont plus faciles à se souvenir, je trouve, que celle-ci, même si celle-ci, je trouve qu'elle est quand même très très bien. Du coup, voilà pour la danse du coup de ce titre Yumi Yumi Love. Et du coup, on va arrêter la vidéo là et on se retrouvera très prochainement pour. Excusez-moi. On se retrouvera très prochainement du coup pour un nouvel MV de Momoland, en espérant cette fois, et je l'espère réellement parce que moi j'adore Momoland, donc j'espère vraiment que le prochain titre me plaira plus que celui-ci. Voilà, ciao les Anacalypsiens.